quels sont les principaux thèmes de votre... Enfin, je m'excuse parce que c'est une tournée sur le plus d'une campagne électorale et parlez-nous un peu de votre programme électoral, si c'est possible. Oui, je pourrais vous parler de notre vision et de notre programme pour le parti. Encore une fois, je ne suis pas encore formellement candidat à l'élection présidentielle puisque le Congrès ne s'est pas encore tenu. Mais en termes de vision, ce que je souhaite, c'est rendre à l'Afrique sa dignité et sa vraie place au niveau de la communauté internationale. Parce qu'on l'oublie souvent, l'homme est apparu en Afrique, aux abords du lac Victoria. Ensuite, il a migré le long du Nil jusqu'en Égypte, où à la faveur des changements climatiques, le premier État fut fondé et nous nous sommes dotés d'un pharaon, justement pour s'occuper de la régulation, de la distribution des eaux du Nil entre ceux d'amont et ceux d'aval. Donc, l'Afrique a toujours occupé une première place. Sur le plan scientifique, culturel, les mathématiques ont été inventées ici. Et on l'oublie souvent, c'est l'Égypte qui a éduqué la Crète. Et c'est la Crète qui a éduqué la Grèce. Et c'est la Grèce, avec Alexandre le Grand, qui a fait la première mondialisation en allant à la conquête à nouveau de l'Égypte, puis de l'Inde. Et ce sont ces soldats fatigués et repus de butin qui lui ont demandé de ne pas poursuivre. Vous avez la carte de la communication. Nous vous avons suivi sur la télé Futur Média. Donc vous avez parlé du changement de l'hymne national du Sénégal et vous avez fait appel à M. Youssou N'Dour. Vous avez aussi promis que lorsque vous serez au pouvoir, donc vous allez donner ce qui appartient à César, Maître Abdoulaye Wade, la notoriété en quelque sorte. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire appel à M. Wade et à M. N'Dour? Alors, tout d'abord, je dois corriger votre présentation. Il est vrai que j'ai parlé du changement de l'hymne national. C'est une question importante et sérieuse parce que cela touche au symbole. Et j'ai dit que cet hymne, ce nouvel hymne national, ne sera pas écrit par moi puisque je n'ai aucun talent de musicien ni de compositeur. En revanche, le Sénégal et l'Afrique sont suffisamment dotés d'artistes de grands talents. Maintenant, il y a une commission au niveau de notre formation politique composée de cadres de très haut niveau, de diplomates, d'historiens, d'artistes qui réfléchissent sur la question. Mais au-delà même de l'hymne national sénégalaise, l'hymne africain aussi doit venir de nos tripes, de notre ventre. Ça doit refléter nos sonorités. Bien évidemment, la diversité ethnique fait qu'il va être très difficile d'introduire dans le même hymne des sonorités Wolof, Djola, Serer, Mandingue, Halpular, etc. Et certains dans la commission commencent à caresser l'idée d'un hymne sans parole où il n'y aura que des instruments, mais qui reflète en tout cas des rythmes qui touchent en particulier la jeunesse. Donc sur la question de l'hymne national, je demeure ouvert. J'ai lancé l'idée, mais c'est un concours ouvert. Je ne me suis pas adressé en particulier à Youssou N'Dour. J'ai simplement fait référence à une très belle musique qu'il vient de sortir, Exodus, sur l'Afrique, sur la dignité de l'Afrique, sur la nécessité de recouvrer son unité, sur la nécessité d'abandonner les séminaires et de passer à l'action, de revenir à ce que nos devanciers ont déjà dit au sujet de cette unité et de commencer à le faire, de passer du temps des parleurs au temps des doers, de ceux qui font. Donc je dis que ça, c'était un exemple. Mais il y a d'autres artistes de très grand talent, au Sénégal d'abord, et ensuite à l'échelle de l'Afrique. Je sais que les jeunes adorent Wizkid, Davido, etc. Voilà, moi j'écoute toutes les musiques, parce que j'ai un très grand ami, Jacques Attali, qui a écrit un excellent livre, Pluie, où il dit qu'il faut être attentif à la musique parce qu'elle est en général prophétique. Elle est annonciatrice de changements
qui ne sont pas encore perçus par tout le monde. Et c'est un excellent canal de diffusion des messages. Voilà, donc je me suis adressé à M. Wade. Pour ce qui concerne le président Wade, vous savez ce que j'en ai dit, même au plus profond de la crise qui nous a opposés et séparés un moment, c'est que d'abord, nous nous sommes réconciliés en tant que père et fils. Les blessures se sont fermées, le temps a fait son œuvre. Karim Wade lui-même m'a appelé en tant que jeune frère et a entrepris de remettre les pendules à l'heure et de faire en sorte que la famille soit réunifiée. Mais ça n'a aucun caractère politique. Comme je l'ai annoncé, le président Wade, c'est un homme que je connais particulièrement bien. Tant qu'il en a la force, et je souhaite que cela dure, il ne confiera jamais une mission qu'il peut faire par lui-même à quelqu'un. Donc, mais ce que j'en ai dit, c'est que ce que je lui ai toujours souhaité, avant-hier, hier et aujourd'hui, c'est ce que je lui souhaite pour demain. C'est une mention honorable sur les langues de la postérité. Restaurer sa dignité, restaurer son rang et sa place de leader emblématique du continent africain. Parce que depuis le départ de Mandela, il faut l'avouer, l'Afrique est un peu pauvre en leader de cette épaisseur et de cette flamboyance. Malheureusement, le traitement que Macky Sall lui a fait empêche qu'il puisse jouer fondamentalement ce rôle. Merci beaucoup. Merci les commerçants d'Afrique.
xamné xalé yi jigéen yi nga xamné dañuy liggéey ci gérinaar yi dañuy dem ba nga xamné ñu am sax ak ak yel yepp do fa da mo wara dé benen bi nga xamné tax ko mëna lool moy xalé yi nga xamné seen lay lay liggéey di fané nek biir Sénégal jaar ci biir suuf si di fay fukki dërëm juroomi dërëm ba yegg si yaakaaroon ne teraanga Europe la nekk te teraanga nekk na ci sa loxo ci sa xam xam ci sa dënd ñooñu ñaan nañu yàlla boo jëlee réew mi nga delloo leen ba ñu ñibbi waat Sénégal ngeen ñu nekk ci jàmm. Ma jeexal président màggeet yi nga xam ne depuis 70 la ñu dëggoon ci biir Maroc bu ci mel ni doyen Diouf Sène di daw bunti ak bëccëg ngir Sénégalais yi. Bëgg naa boo demee ba doon président nga defal leen ay logements sociaux yoo xam ne bu ñu ñëwee kenn ku nekk day am chambre. Mbokki Maroc li ma leen di xamal mooy li may wax nii sama xarit laa ko wax, li may wax nii sama soppe laa ko wax, li may wax nii dama ci takk sama ndigg bis bu ko yàlla dimbalee incha allahu xaalis dinañ ko réalise. Pour ñu bañ a buggal ñu ngi leen di sant ci coono yi ngeen am ngir ñëw fii te boobu itam ñëw fi woon ngir seet si kenn dafa ñëwoon rek ngir ay yitte yu ndaw. Ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen leen ko jox ndax soxla wu leen ma man de am ndongo dara laa nekk di ànd ak yéen di xool lu war a jëriñ Sénégal pour ñu jàpp ci faramuñu ma Samba faramuñu ma Demba xam nga kan lañ faral Sénégal ak dëgg ndax dëgg mooy ki nga xamante ne mooy jàpp Sénégal. Mu am benn discours tamit bu neex boo xam ne loolu dama ko beraloon dama parce que dafa doon yitteem mooy si li nga xamante ne sànq dàppal la ñuy liggéeyee te lu ñu liggéey ñu tegge seen xam fekk leen ko delloo ko ñu loolu moom daanaka bokk na ci question yi gën a am importance yoo xam ne moom dina leen ko fajal incha allahu taala. Fi may tëjee ci wax ji te di leen ko waxaat moo di ne teewaay bi fi président too ñëwul woon ngir lii dafa ñëwoon ngir yeneen yitteem ñu ñaan ko ci cër bi mu ñu jox nañu ko wax dëgg yàlla mën naa bañal ñëpp waaye sañu ñu laa bañal kon ñu sama temps xat dina ñëw toog ak yéen kon mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi leen di sant mais li ci gën a am solo mooy bu ngeen paree te ku bëgg a bokkaat ci lu jëm ci wàllu doxalin muy jàppale président Idrissa Seck na ngeen fexe ba doon dal. Il y a des gens qui ont bravé vents et marées, faisant des kilomètres. Ceux qui viennent de Marrakech, d'Agadir, Tantan, Kirbin, du nord jusqu'au sud, rien que pour vous rencontrer. Parce que vous avez nous appuyé pendant la conception en disant que je reçois la communauté sénégalaise. Voilà toutes les configurations réunies ici pour vous dire encore. Ahlan Mossallan Pascal. Merci beaucoup. Donc je vais passer la parole à M. Seine, ici qui va faire éventuellement une présentation et souhaiter aussi encore une fois la bienvenue à M. le Président. M. Seine. Bi nga xam ne kat dinaa ko yàgg def ci jàpp dama koy dal di ko ñaan dara ci jàpp rek ñu gërëm ci nag yéen nga xam ne yéen nag yéen askan wi seen dara rek nañ ko torop macha allah ngeen si ngeen ñoo xam ne dafa yëpp ñoo ngi ko si xanaa kay ñaan nga xam ne mooy président bi si seen yàlla si ñu ba xam ko càkk si ba nga xam ne li nga xam ne moo nekk foofu yàlla kër defal jàmm ko dafa ko rek moom ci rek ñu dama ci la xam ne mun na seen bi wax micro xam ne xamu yàlla ko ci jàpp ñu ko jàpp maa ngi ko doon parce que doo fee doo la parce que la ñu dafa la doon jàpp jàpp la wax seen wax yàlla mu yàlla may jàpp jàpp yi tam moo joxe muy góor buy bëgg tam muy yàlla. Très bien, merci encore merci à monsieur Seine. Je vais maintenant, j'avais décidé éventuellement de passer la parole. Di leen sant ci yéene ji di
sante sama xarit bop bi nga xamni mom la yalla jaarale sababu xew xew bi ci mom muy mon frère Manga. L'ensemble des compagnons du changement. Madame, nit ñi nga xamni ñëpp ay atangi ni bi ñuy traverser xéetu complot yu nek ak xéetu natu yu nek ak xéetu joono yu nek ñu gëm ñu and ak ñun sacrifice bu nek ñu def ko joono bu nek ñu tek leen ko ñu and ak seen ngor ak seen fit xaaliss bi jëndu leen jaasi yi daqul leen bama dajé ak ñom tay fi ci mara ñu leen remercier bu baax di gërëm bien sûr sa majesté le roi Mohamed VI di ko ñaanal yalla mu yok wërëm yok tawfiqam amin ba dello ko pleine capacité mu continuer liguéyal Maroc continuer liguéyal Afrique continuer liguéyal umma islamique continuer liguéyal l'humanité tout entière amin. Ce que je retiens de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est sa ferme volonté, sa détermination de mettre toute la flamboyance de son leadership au service de l'unité africaine. Et ce faisant, il ne fait que donner corps à la vision de feu son père Hassan II, qui définissait le Maroc comme un arbre dont les feuillages étaient en Europe, mais dont les racines plongeaient profondément en terre africaine. Le retour de ce pays qui nous est cher à nous Sénégalais, en terre africaine, est annonciateur d'une unité qui rendra à l'Afrique sa première place. Car il nous faut nous souvenir qu'ici, en Afrique, nous sommes le berceau de l'humanité. C'est aux abords du lac Victoria qui est né des eaux de ruissellement comme des eaux de jaillissement qui ont formé le Nil que l'homme est apparu. Et cet homme-là a migré le long du Nil, traversant le Soudan jusqu'en Égypte. Il faut se souvenir aussi que c'est l'Égypte qui a éduqué la Crète et c'est la Crète qui a éduqué la Grèce, et c'est la Grèce, grâce à Alexandre le Grand, auteur de la première mondialisation, qui a diffusé les valeurs africaines au reste de l'humanité. Mais l'on ne s'en souvient pas toujours. Et en particulier, ceux-là à qui nous avons enseigné les mathématiques, ceux-là à qui nous avons enseigné la culture, les valeurs fondamentales d'humanité et d'hospitalité, l'ont un moment oublié. Et du haut de leur arrogance, ont entrepris de conquérir le reste du monde et de le piller. Je veux bien évidemment parler de nos cousins occidentaux, qui du fait de l'éloignement vers des zones moins ensoleillées qui leur a fait perdre leur mélanine, ont oublié leur origine africaine.
c'est à nous de le rappeler. L'histoire de l'Occident et de l'Afrique a été une histoire de domination et de pillage. Et c'est de ce pillage-là qu'est né l'essentiel des ressources occidentales, leurs réserves en or dans leurs grandes banques centrales, tout comme leurs infrastructures, leurs armées et leurs armes, proviennent pour l'essentiel, au-delà de leurs dotations initiales propres, du pillage du reste du monde, Afrique, Inde, Amérique latine et non au moins la Chine. Et sur cette base, l'esclavage est apparu et a été aboli. La colonisation est apparue et a pris fin. L'indépendance est annoncée. C'est à nous de nous mobiliser pour la rendre effective, de manière à ce que, à la place d'une relation de domination et de pillage, nous puissions instituer une coopération intelligente gagnant-gagnant. Et si au passage, bien sûr, ils leur prenaient l'envie de nous rembourser une partie de ce qu'ils nous ont pris par la force, nous leur en serions reconnaissants. Je pense que le moment est venu pour l'Afrique de rompre les chaînes. Comme l'a dit récemment à Dakar le président du Ghana, nous devons mettre fin à ce paradoxe d'être le continent le plus riche du monde, mais aussi le continent où l'on assiste à la misère la plus inhumaine possible. D'avoir une jeunesse, nous sommes le continent le plus jeune de la planète. Le continent européen est vieillissant du point de vue démographique. Et le fait de voir le spectacle de cette jeunesse, qui est une véritable ressource, si nous parvenons à injecter en elle le savoir, la bonne santé et la bonne force physique, si nous parvenions à faire ça, ce serait une ressource extraordinaire, au lieu d'être à l'heure actuelle une bombe sociale qui menace la stabilité et la sécurité de notre continent. Je voudrais dire que nos devanciers ont déjà théorisé tout ce qu'il faut faire, qu'il s'agisse de nos immenses guides religieux, Serigne Touba, Seyd El Hadj Malick, Cheikh Omar Fountiou et tant d'autres. Qu'il s'agisse de nos grands intellectuels, dont Cheikh Anta Diop, le pharaon du savoir, ils ont déjà dit ce que doit être le chemin. Il nous appartient à nous d'emprunter le chemin et de réaliser ce qu'ils ont dit. En étant tous ensemble debout, je n'ai pas envie d'être président de la République d'un Sénégal où le peuple resterait assis, bras croisés, en train d'attendre du chef, qui serait une sorte de guide éclairé pour toutes les solutions. J'ai envie d'être le président de la République d'un pays où chaque citoyen, comme l'a dit Mangal, prend conscience qu'il a exactement la même responsabilité que le président de la République quant au développement de son pays et quant au rayonnement de celui-ci. À chaque fois que je me déplace, je vais rendre visite aux autorités diplomatiques et consulaires. Et la première question que je leur pose, c'est quel est l'état des contentieux judiciaire en particulier, qui implique nos compatriotes. À Abidjan, quand j'y étais, il n'y avait que 9 cas. Et encore, c'est des cas civils
rien dans la grande délinquance, rien dans la drogue. C'est bien révélateur de l'éducation exceptionnelle dont les jeunes Sénégalais ont été dotés. Et cette richesse-là, le moment est venu de s'en servir. Naturellement, je ne rentrerai pas dans le détail de tous les aspects du programme de notre parti et de notre vision. Les 14 et 15 avril prochains, nous organisons un séminaire avec plus de 200 cadres du parti, du secteur privé comme du secteur public, incluant des participants aussi de la diaspora pour examiner ensemble notre vision et notre programme que nous mettrons en ligne à la disposition de tous les citoyens pour demander votre contribution. Les points soulevés par Mangane concernant vos conditions d'existence dans la diaspora et ce qu'il convient de faire pour que votre contribution au développement du Sénégal puisse être maximisée et optimisée, tous ces points figureront en bonne place dans le programme. Donc je ne le détaillerai pas. Mais en tout cas, la pensée qui encadre cette vision est une pensée de l'un des plus éminents cerveaux et guides religieux de notre continent, cher Ahmadou Bamba. Capacité à être sensible à la souffrance des autres.
Malheureusement, le président Macky Sall n'a pas l'air d'être sensible à la souffrance des autres. Il se sert de la puissance publique pour écraser les autres, pour humilier les autres, pour humilier les autres. Alors que cette puissance publique est destinée à protéger, à sécuriser. Juste pour vous redire un très 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 grand merci et pour vous dire au revoir, je dois me rendre assez tôt à Rabat pour d'autres rencontres. Je dois retourner au Sénégal bien sûr puisque je dois participer aux célébrations de la fête nationale d'indépendance. J'en profite pour vous souhaiter une excellente fête, même si cette fois-ci ce sera encore au son du Bensé plus Bokora. J'espère qu'en 2019 ce sera d'autres sonorités.